ils ont mis au programme du primaire algorithmie, coding et robotique. Ah ouais, ouais. Primaire dès 6 ans, dès 5 ans. Robotique. Mais je me situe où par rapport à la culture? 6. Ok. Au numérique. Voilà. Je vais mettre 7. Oh, c'est tout. Bah oui, mais en développement, tu m'excites. Numérique. Mais je mets 9. Allez, Musée Onyx, c'est un marathon créatif qui dure 3 jours, 2 nuits, au cours duquel des équipes qui vont se constituer sur place vont concevoir des prototypes de médiation sur les collections d'un musée. Et l'idée, c'est au bout de ces 3 jours que le public puisse venir tester ces prototypes de médiation innovants sur les collections du musée. On n'est pas dans la mise en scène macabre qu'on peut retrouver à l'époque médiévale. À partir du... le Christ, il est trop cool, il a les cheveux longs. Non mais c'est vrai, il est trop cool. Mais quoi? Comme c'était proposé peut-être en face, plus de la projection, en plus du sonore, voire de la projection en 3D ou ce genre de choses. Et votre objectif, en gros, c'est de constituer votre équipe et de remplir les 6 profils, et du coup d'identifier le terrain de jeu, d'identifier l'idée du projet, et un premier nom de projet. De joindre l'équipe d'Esworld. Et on va rechercher. Il manque une phrase choc. La difficulté, c'est que de toute façon, on va pas pouvoir faire le projet à toi. Ah, d'accord. Donc. Mais l'autre difficulté aussi, c'est que vous n'allez pas pouvoir choisir votre tour en fait. On va pas pouvoir choisir votre tour. Mais moi, j'ai pas on l'a pas. C'est pas défini entre nous, c'est juste qu'on veut donner de la stature en projetant de la texture, en racontant une histoire, ce genre de choses, mais on a fait enfin, volontairement, on n'a pas dit tel endroit, telle statue. On va mettre un peu cette famille en scène qui peut utiliser sa lampe à huile pour éclairer sa soirée, et là aussi on va avoir une notion de volume et de présentation. Je sais que je m'étais interrogée, je me suis posé la question, parce que moi je suis d'une ancienne génération, pas du tout habituée à ça, avec en plus voilà, le musée un peu sacré, etc. Bon, c'est quelque chose qui aujourd'hui, toutes ces barrières, elles tombent hein, de plus en plus, et heureusement, et il n'y a que comme ça que le musée survivra d'ailleurs, à mon sens. Mais je m'étais interrogée pour savoir est-ce que moi j'oserais voilà, lâcher comme ça des gens, parce que bon, c'est quand même... une sacrée organisation déjà, et puis c'est vraiment le musée est en totale liberté pour les muséomixeurs qui vont se l'approprier comme ils voudront, qui vont en sortir des choses qui peuvent complètement nous déstabiliser, nous les professionnels, parce qu'ils vont à l'encontre peut-être de ce qu'on veut présenter, et c'est là où on se rend compte que bah, ce qu'on présente, notre médiation n'est pas bonne, donc il faut la reprendre et tout. Moi je trouve que c'est une remise en cause fondamentale de l'institution en même temps, mais que c'est nécessaire, c'est un bol d'air. Alors, un après-midi a priori banal, une visiteuse déambule dans les salles du musée Saint-Raymond, ravie quand même de cette excursion. Elle s'apprête à traverser la galerie des portraits au premier étage, soit une enfilade de bustes en marbre retrouvés dans la villa de Chiragan. A priori, rien d'étonnant. Là-bas. Ici. Auriez-vous vu mon mari, Adrien? Vous savez, l'empereur. C'est moi, Commode, plus connu sous le nom de Imperator Caesar Lucius Aelius Aurelius Commodus Augustus Pius Felix Dramaticus Germanicus Maximus Britannicus. Thank you.
Il y a encore cette toute petite tension, je pense, sur le contenu. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à créer un cadre qui à la fois qui donne une direction au projet et qui est suffisamment souple pour qu'en termes de contenu, on puisse faire beaucoup de choses. Cohésion de groupe, même le dev qui avait balancé des idées qu'on ne va pas faire, s'est retranché en disant non, non, mais c'est la force du groupe. Le problème de cette équipe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre le lead et que les autres ne se prononcent pas. Il faut qu'on arrive à partir sur une piste concrète. Et on se rapproche de ça et on puisse avancer. Et c'est là où je vais avoir du mal à peut-être venir parce que j'ai un peu envie de défendre cette idée de proximité et d'un d'émotion. Il ne faut pas, toi, ton rôle, parce que si tu tu t'extrais ou voilà. Ça, c'est pas toujours facile. Parce que son idée de la facilitation, tu dis à toi. Pas derrière nous. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais tu dis rien. Bah, le truc, c'est qu'il faut pouvoir présenter plusieurs partages différentes. Il ne faut pas que tout le temps que ça soit la même. Sinon, ça devient trop facile. Et puis, les gens qui sont autour, faut que le jeu, si possible, soit le même pour tout le monde. Parce que c'est ça, il y a pas mal d'installs. Enfin, moi, le Muséumiste que j'avais fait l'année dernière, il y avait un groupe voilà, qui faisait une installation. Il y en avait un qui participait, les autres qui regardaient en attendant de pouvoir participer. Sauf que le fait de regarder la personne qui faisait l'atelier, entre guillemets, ça donnait les clés de l'atelier. C'est-à-dire que ça diminuait l'expérience un peu des gens qui regardaient. Donc ça un peu comme du spoil, quoi. Parce que moi, j'ai déjà fait des vidéos mix où les gens n'arrivaient pas au bout. Bien sûr. Et parfois, sur des trucs très simples. Ouais, c'est ça. Et donc, au début, on choisit plus facile à réaliser. Moi, je pense que, tu vois, après, faire un truc déjà qui fonctionne, tu vois, parce que... C'est plus important. Je pense que, tu vois, voilà, machin, et voilà, quoi, tu vois. Ce serait juste de faire l'instrument de musique, toi, auquel tu penses? Non, c'est que toi qui est-ce que toi peut-être celui qui tapote déjà le plus vite dans un laps de temps donné, tu vois, et selon et on fait varier la tête dans un sens ou dans un autre, tu vois. Ça c'est déjà. Alors, quelqu'un me refait le du coup, par exemple, je suis visiteur, j'arrive et du coup tu me dis quoi? On te met une couronne sur la tête. Okay, et je suis Maximien. Tu es Maximien. Et Maximien, c'est un empereur romain, quelqu'un de très important. Et il avait un rêve, il voulait ressembler à Hercule. Mais à part qu'il était fan d'Hercule, il a... Il a pas de lien. Et qu'il a fait différents combats. C'est-à-dire que nous, on a un fond, c'est comme ça. Rajouter d'autres choses, il n'y a pas que la tête qui est projetée. C'est faire plus simple, on peut aussi un écran ici, quoi, tu vois. Le Fab Lab, c'est le lieu où on va fabriquer les choses, les prototypes, les éléments qui vont être nécessaires au fonctionnement du prototype. Donc, il y a des machines extraordinaires qui sont installées, des imprimantes 3D, des découpes laser, mais il y a aussi des personnes qui sont là en soutien pour fabriquer des éléments en carton. Mais tourner vers le côté. Ouais. Enfin, on pourrait peut-être pas la faire aussi haute. Enfin, que ça... Ouais, oui, après tu peux. Ah, c'est ça. Donc, on a ces récits-là qui sont faits par des bustes et qui vont, dans leur récit, en fait, parler d'éléments qu'il y a dans le reste de l'exposition. La Tech Shop, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est là où on vient chercher tout ce dont on a besoin. Alors, des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, des enceintes, des outils électroniques dont je ne retiens même pas le nom tellement je n'ai pas l'habitude de les pratiquer. Mais en tous les cas, c'est vraiment une caverne d'Ali Baba. Elle est managée par deux personnes qui sont capables de répondre quasiment à toutes les demandes. D'accord. Et donc, du coup, tu peux pas le faire avec ça. Pourquoi tu as besoin d'un Kinect, en fait? C'est ça la question. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que tu veux capter une gestuelle? C'est vraiment juste une présence, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça marche très bien, ça. Bah, ouais, ça, c'est de la détection de présence, hein. Ils ont construit pas mal de choses, donc c'est super. En plus, ça répond bien à la problématique. Mais du coup, ils ont trop d'idées, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se ressentent sur ce qui est faisable sans se mettre l'objectif de produire comme en contexte professionnel, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, il faudrait qu'avant d'aller manger, vraiment, ils aient fait le tri.
D'accord. Honnêtement, je pense que ça va. Ouais, ok. Mais du coup, on intègre la phrase. C'est plus là, ils sont en train de mettre en place vraiment le. C'est-à-dire que plutôt que d'appuyer sur des zones, le cadre technique. Sur des slides. Enfin, en gros, t'enlèves un truc, tu fais ça fait beaucoup. Ça vient là, et là, t'as mis un truc. Et du coup, c'est là que tu triches en termes de code, tu triches. Ouais, faire un truc. Procéder deux choses que je voudrais vraiment vraiment développer, c'est d'une part la mise en valeur du four à chaud, parce que effectivement c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est un four à chaud? On sait pas comment ça fonctionne, même nous on sait pas vraiment vraiment comment il fonctionnait. Dans l'Antiquité on a le gros on le voit en gros, mais dans le détail ça supposerait aller beaucoup plus loin. Donc ça serait donner une médiation pour expliquer aux gens toutes les composantes du four, etc., donner des visuels et tout. Donc là je trouve que c'est un procédé que nous devrions creuser et nous devrions le valider. Et déjà le fait d'avoir mis en bas de l'escalier simplement X mois de fouille, tant de sépultures, un four à chaud, ça donne une vision de l'étage dans lequel, enfin, du niveau dans lequel on va se développer, à laquelle nous n'avions même pas pensé. 2 fours, 130 fours, 1 four à chaud. Et là, donc, je peux pas aller jusqu'au bout, est-ce que je fais ça? Si, parce que là, il y a un trou. D'accord. Donc là, on a de l'info à chaque fois, de la vidéo. Sur le four. De l'info, de la vidéo. Non. De la lumière. Non, ici, ici on est que sur la. De l'info. Là, tu as une tablette. Ok. Avec une première page qui t'invite effectivement à toucher et à éclairer. Et du coup, c'est des spots. Ici, on a un spot rasant sur ce niveau-là. Super. Qu'on voit pas du tout. Un pied qui est en train d'être installé pour éclairer le fond. D'accord. Et le troisième point, c'est le four, bien sûr. Et là, on hésite. Vous êtes plutôt sur rouge. Rouge et blanc. Et le deuxième procédé que je trouve très très riche et en même temps très ludique, parce que bon, le four à chaud, ça pourrait être, on peut jouer avec des coupes, une tablette pour éclairer des zones, etc., pour comprendre le fonctionnement, mais sans que ça soit vraiment ludique, c'est vraiment que du contenu pratiquement, alors que l'autre procédé, c'est yodo. Yodo qui signifie, je ne sais plus, c'est une phrase en anglais qui dit qu'on ne meurt qu'une fois. Yodo. You only die once. Vous avez raté votre vie, réussissez votre mort. Ouais. Voilà.
Et on est dans l'ambiance. Ouais, mais en même temps, on est dans l'ambiance. C'est une espèce de showroom de sarcophage, en fait, et qui permettrait à chaque individu de venir créer par un ordinateur son sarcophage, de venir choisir son sarcophage. Alors, ça peut apparaître très, très ludique, très humoristique, ou peut-être aussi casser cette distance que peuvent avoir certaines personnes vis-à-vis des sarcophages, où ils ne se sentent pas à l'aise, parce que ça représente la mort, que chez nous, la mort est tellement aseptisée qu'on ne veut pas la voir, etc. Donc, là, c'est leur apprendre à voir ces sculptures-là. Bonjour, bienvenue chez Yodo. Je suis Jean Gregg, votre funeral planner. J'ai l'immense honneur de vous présenter aujourd'hui notre toute dernière innovation dans ce lieu d'exception. Découvrez une toute nouvelle façon d'aborder votre dernière demeure avec You Only Die Once, votre première collection de sarcophages paléochrétiens personnalisables. On finalise la commande. Et là, au moment où on finalise la commande, on a un bon de commande qui sort. Quand même ça imprime, on a un signal qui est envoyé à côté du sarcophage qui correspond le plus à notre choix et qui clignote pendant 2 minutes, histoire d'attirer l'œil de notre client, qui part avec son bon de commande et toutes les informations sur le sarcophage et qui, avec cet outil de médiation, va devant l'objet. D'accord, donc là, donc, vous pilotez les... Vous installez des spots? Non, on pilote des LED en fait qui vont clignoter. Donc l'équipe Athénaton a conçu un prototype qui s'appelle Hérodélire. C'est une sorte de guitare héros qui a pour base une sculpture très fragmentaire qui représente Athéna et qui en fait appartenait à un groupe sculpté dont il ne reste que cette sculpture. Il ramasse le los et il se met à jouer et il joue divinement bien. Parce que c'est la flûte d'Athéna qui joue. Athéna qui rend jaloux Apollon. Et Apollon le défie. Donc c'est défi. Et là, ça s'affiche, il y a les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que vous avez 1 minute pour jouer un morceau. Vous devez presser les couleurs correspondantes sur votre instrument. On a du mal à imaginer jouer à comme un jeu vidéo au sein d'un musée. C'est tellement extraordinaire que c'est en ça que pour moi c'est transgressif. Donc là l'instruction c'est prendre la bonne arme, le bon monstre et refaire la pose. Voilà. D'accord, la bonne arme, le bon monstre. Mais prends l'arme et je prends le monstre. Attends, j'ai pas compris. Ouais. Si, parce qu'en fait, pour le sanglier ça marche pas, tu prendras que le sanglier comme ça et tu refais la posture d'Hercule pour exploser le sanglier. Ah ouais, une fois que tu as fait ça, t'as gagné. Dès que la posture sera bien, le médiateur déclenche la prise de photo et il y a un gif qui se déclenche. Et le bon sang, c'est bon ça. La prochaine fois, tu vas l'ombre, on s'en fiche un peu. Donc on a fait des choix d'objets qu'on va mettre en évidence plus loin dans la scénographie et qui ont un lien avec le récit qui a été fait. Octave, t'as pas vu ma petite cuillère en ivoire, celle avec Chiron? Ouais, il y a 2 minutes, non? Ouais. Il faut savoir faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas les prix. D'ailleurs, parce que on obligatoire. Non, on fait des devises. Alors là, c'est le deluxe, avec l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin de toute chose. Donc là, c'est vraiment le... Et là, on a une sélection de bustes. Une façade, tu me tiens à garder tes verres de course de charge? J'ai toute place pour ma collection de vampires. Les vignes. Ne fais pas tard, fille. Ce sont des verres collector. Tu ne peux pas comprendre. Et c'est comme ça que Héraclès va tuer l'hydre de l'air. D'accord? Donc voilà, vous avez bien réussi votre travaux. Vous avez tué l'hydre. Et donc,
Non, mais sincèrement, je voudrais vous dire merci à chacun de vous, à chacune de vous. Merci d'avoir choisi ce musée, merci d'avoir choisi ces collections exceptionnelles. Merci pour votre fair play, pour votre patience, pour vos délires, pour votre imagination, pour votre créativité. Et puis pour, je sais pas, toute cette humanité aussi qui s'est dégagée ici pendant 3 jours et 2 nuits, je crois. Moi, j'y étais pas trop. Mais... Moi, je peux dire que je suis un conservateur de musée heureux parce que vous avez fait franchir au musée Saint-Raymond le 21e siècle.